Bienvenue dans ce nouveau programme de la Startup Academy, à savoir le journal entrepreneurial. Désormais, sur ma page, tous les jours à partir de 20h, heure du Cameroun, vous allez découvrir et surtout plonger en immersion dans un sujet particulier qui vous permet de pouvoir comprendre la géostratégie, de comprendre l'intelligence économique qu'utilisent les entreprises, les grandes entreprises et les États afin de pouvoir influencer leurs concurrents et influencer tous ceux qui sont sur la scène internationale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème extrêmement important qui a trait à la sécurité. Et ce thème, nous avons pris pour cas d'exemple le Cameroun, qui est notre quartier, parce que notre réel pays, c'est l'Afrique. Et ce thème, ce sont les cartes nationales d'identité. La carte nationale d'identité, c'est un outil extrêmement important dans tous les États, notamment en ce qui concerne la sécurité. Et c'est d'ailleurs le cas aussi au Cameroun. Antérieurement, il y a une entreprise française du nom de Thales qui était chargée de réaliser les cartes d'identité des Camerounais. Un problème s'est donc produit avec cette entreprise du fait qu'on se rendait compte qu'il y avait des failles dans le système de sécurisation de ces cartes-là qui permettaient de pouvoir reproduire des fraudes et générer donc des cartes frauduleuses qu'utilisaient certains terroristes, notamment avec l'explosion du conflit qu'il y avait à l'extrême nord avec Boko Haram. On se rendait compte qu'il y avait certains terroristes qui détenaient des cartes d'identité frauduleuses. Et c'était en exploitant donc une faille du système de sécurité de cette entreprise française-là qui a donc abouti en 2015 à une rupture du contrat. Et l'entreprise a été remplacée au profit d'une autre entreprise néerlandaise du nom de Gemalto. Gemalto avait donc pour but de produire un système beaucoup plus sécurisé de cartes nationales d'identité, notamment ce que nous utilisons aujourd'hui au Cameroun. Mais ironie du sort, en 2019, l'entreprise Thales rachète en bourse l'entreprise Gemalto pour un montant de 4,9 milliards d'euros. C'est ainsi que Gemalto se transforme en Thales Digital Identify and Security, qui est la première entreprise au monde qui produit les cartes SIM. C'est donc ainsi que les grands États et les grandes entreprises utilisent leurs outils afin d'influencer des États africains qui ne contrôlent même pas, quand c'est le cas du Cameroun avec l'exemple que je viens de prendre, un outil aussi important que la carte nationale d'identité. Lorsqu'on connaît tous les éléments qui entrent dans une carte nationale d'identité, à savoir des informations stratégiques sur un pays, ça peut permettre de pouvoir anticiper sur la démographie d'un pays, de comprendre la structuration démographique de ce pays-là. Et ces informations ultra importantes peuvent être utilisées par des industriels de ces pays afin de pouvoir anticiper sur les besoins d'une population et même de tout un continent. Vous comprenez comment les États utilisent de l'intelligence économique afin d'influencer nos États africains pour contrôler des secteurs stratégiques comme la carte nationale d'identité qui n'est pas produite chez nous, ce qui est une faille de sécurité énorme parce que ce sont nos informations stratégiques qui sont détenues par d'autres pays et par les multinationales, ce qui leur permet de pouvoir anticiper par rapport à notre démographie, ce qui leur permet de pouvoir comprendre la caractéristique démographique de notre pays afin de pouvoir vendre ces informations même parfois. C'est cela qui nous a permis de mettre sur pied une formation qui s'appelle « Intelligence économique et espionnage industriel », formation dans laquelle nous présentons toutes ces stratégies-là et surtout nous expliquons de façon simple et méthodique comment faire pour pallier à ces différents problèmes et intégrer une démarche d'intelligence économique dans son projet en partant de la recherche et de l'identification de l'information, l'analyse de l'information, la sécurisation de ces données et la mise sur pied d'une stratégie qui permet d'influencer un concurrent et d'influencer un État lorsque c'est pris sur le plan macroéconomique. Merci d'avoir suivi ce journal entrepreneurial. Rendez-vous demain 20h sur la même chaîne.